Pas trop parce que c'est un peu fragile. On peut les alors, graver, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a rien. Il y a rien. Il est solide. Alors, c'est quoi ce sang? Solide. À l'intérieur des vaisseaux sanguins, le sang est liquide. Mais là, ce qu'on voit, en fait, on voit nous de l'extérieur. Donc le sang, il est liquide, il est toujours liquide. Mais il circule à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Qui sont durs. Qui, eux, ils sont solides. Donc on voit la couleur rouge à travers, par contre ça ne s'absorbait pas. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre? On le met dans l'eau. Dans l'eau? Oui, alors c'est une opération très délicate. Mais non, fais attention. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire par étapes. Tu peux essayer de le glisser sur le pain. Et après, on va pencher un peu, je vais t'aider. Et on va essayer de le plonger. On va lui donner son... Du coup, là, je le prends, je le mets là. Non, tu touches que ça. Et tu le fais un peu glisser. Je vais t'aider avec une seconde. Avec ça? Tu vas l'aider avec une seconde? Arrête. Oh, c'est bon, tu le manges. Maintenant, on est prêt pour manger. Tu manges chez moi. Alors, je vais t'aider à pousser un peu pour que les vas-y. Donc la première étape, on va le glisser vers le morceau de pain. Mais le direct dans l'eau, c'est mieux. Peut-être qu'on peut. J'ai pas mis un peu beaucoup d'eau, donc je peux pas beaucoup la pencher. Tu raconteras ça à la maîtresse. Ouais, raconte ça à la maîtresse. Ouais. Vas-y, glisse. Alors. Ça donne pas. On dirait qu'elle va manger. Ah non, je vais pas manger sur deux bras. Si, tu vas manger. D'abord, ce qu'on peut remarquer là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est mou. C'est mou, hein. Ouais, c'est ça. Hein, on voit que c'est mou. C'est pour ça qu'il est protégé par le crâne, parce que s'il serait méga dur. Exactement. Ouais, mais si le crâne n'était pas là, ça serait détruit facilement. Oui, j'ai juste un crâne de la tête. Et les yeux, ils se font ça. Arrêtez de parler, elle va le faire là. Je vais le mettre sur le pain, d'accord? C'est l'étape. On va les manger? Mais non! Je vais essayer. Il est en deux morceaux. En deux morceaux, on peut le voir. Wow, il est pas du tout solide. C'est le tronc cérébral et le cervelet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est pas du tout solide. Elle va pas ça. On a déchoué. Oui, il va passer. Ah, oh, ça fait passer. Attends, c'est quoi ça? Les gestes sont dangereux, vous faites attention. Personne. On n'a pas le droit en fait. Il n'y a que moi. Alors là, on prend le cervelet et le tronc cérébral. Donc le cervelet qui sert à... À quoi? L'équilibre. À l'équilibre. Sur le puzzle du cerveau, c'était là où on avait dessiné quoi? Attention, il n'y a pas... Un petit bonhomme qui marche sur un fil. Mais tu veux faire non. Le vélo. Le vélo. Allez. Et le tronc cérébral, le long tube, là, il y avait dessiné quoi? Des flèches. Des flèches. C'était pour dire quoi, les flèches? Oui. Pour dire la tête qui bouge. La tête qui bouge? Non. Les messages. Les messages qui vont de haut en bas et qui de bas en haut. Qui montent et qui descendent. Ouais, la part, mais ça fait pas du tout grossir. Donc le cervelet et le tronc cérébral. Comme une loupe. Ah, oh, ça veut dire que nous devons plus loin les gars. Joyeux. Alors on va le couper en deux par le milieu. Lucas, on va couper le cerveau en deux par le milieu, c'est-à-dire séparer l'hémisphère droit et gauche et droit. Sud. Alors dans le cerveau, c'est gauche et droit. Quand on dit sud et nord, c'est pourquoi? La terre. La terre. Là, on est dans le cerveau. Sud.
Non, et en Asie, la baguette, c'est ça. Et en France, la baguette, c'est ça. Nord, tout sud. Tout dépend du contexte. Sud, nord. Alors, le gauche et le droit, on va les séparer.